Salut les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le petit monstre, la nouvelle. Donc alors, c'est une nouvelle moto pour le plus gros projet de la chaîne. La moto de mes rêves, c'est la 1300 Hayabusa et je vais lui mettre un turbo pour qu'elle fasse 400 chevaux. Donc il y a plein d'autres choses à faire. Ce sera très très long. Voilà, je ferai plein de vidéos autour. Là, c'est les derniers petits tours de roue que je fais avec. Après, elle restera au moins 6 mois sans rouler. Elle restera 6 mois le moteur déposé parce qu'il faut tout faire petit à petit. Ça coûte énormément d'argent aussi pour faire quelque chose de fiable. Là, le moteur, je vais faire un moteur avec des bielles qui tiennent jusqu'à 700 chevaux. Mais je vais mettre que 400 parce qu'après, c'est beaucoup plus compliqué. Après, faut un autre carburant, faut du nose, des choses comme ça. Bon, du coup, là, j'ai ramené aussi la MT-09 pour faire une sorte de petit comparatif. Cette moto, c'est une moto qui est mythique, c'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui la connaît. La Hayabusa, c'est un monstre, c'est vraiment quelque chose d'énorme, mais elle est plus facile à conduire que la MT. Cette moto, on va dire, ok, elle est plus violente et tout, mais elle n'est pas violente. C'est-à-dire que le MT, tu vas accélérer, elle va donner des à-coups, elle va faire, elle va lever direct, elle va guidonner, tout ça. Cette moto, bah, c'est pas une sportive, c'est une routière. Ok, ça prend des vitesses folles. Regardez, venez voir, le compteur, je vous dis, hier, je suis allé en Allemagne. Tu vois, il va jusqu'à là, tu vois, 3,20, tu vois. Donc, il y a vraiment quoi faire. La moto, ça fait 2 semaines que je l'ai, mais on va tous remercier Rémi. J'ai prêté la moto pendant, allez, j'ai prêté 5 minutes la moto à Rémi. La moto, je l'avais depuis 1 heure. Il revient, la chaîne cassée. Du coup, la chaîne, elle a tout cassé, elle a cassé le carter, j'ai dû tout changer. Voilà, première mécanique dessus, première galère. Et en fin de compte, sur cette moto-là, du coup, le turbo, il va être juste là. Il va être caché là. J'ai déjà la place, j'ai déjà le turbo que je veux. Il va être vraiment caché en dessous la coque et en fait il va pas se voir le turbo. C'est une première génération, c'est une très Hayabusa première génération. J'ai plus les, je mets le poids et les chevaux là. Bon, en tout cas ça marche. Moi je me bats les couilles un peu des statistiques. Moi je sais que quand j'accélère ça marche. Mais la MT est plus dangereuse, c'est incroyable quand même. C'est ma moto de tous les jours, c'est pour ça elle est dégueulasse tout ça. Hein. J'utilise vraiment tous les jours et en campagne il y a plein de moustiques. Là je l'ai lavé hier, hein. Vraiment, avant-hier j'ai lavé. Avant-hier elle était toute propre, quand je rentre ça donne ça. Mais bref, cette moto est plus dangereuse que celle-ci. Celle-ci, en vrai, t'as pas envie d'accélérer. Celle-ci, t'as toujours envie de lever, de faire des cons avec. Celle-ci, t'es vraiment tranquille. Dans 6 mois, elle va être le moteur déposé. Donc, je vais mettre le moteur sur un support moteur, vraiment pour bien travailler. Je vais faire vraiment tout de A à Z propre. Les coussinets, les bielles, les pistons, tout. Et forcément, ça se monte pas. C'est pas un truc que tu montes comme ça. Voilà, tu peux acheter un kit déjà tout fait, pas juste à monter, mais c'est 15 000 euros. Donc, j'ai pas 15 000 euros à mettre dans un turbo. Je vais essayer de tout faire moi-même, de faire toutes les petites pièces, tout ça. Donc, ça va prendre énormément de temps à faire le collecteur. Il faut décaler le radiateur d'eau, il faut changer le radiateur d'huile, un échangeur aussi. Là il y a 4 injecteurs, il en faut 8 injecteurs. En fin de compte, il faut une boîte à air avec 4 injecteurs supplémentaires pour que ça injecte dès qu'il y a le turbo. C'est vraiment très particulier. Et déjà, elle marche très très bien d'origine. À quoi ça sert de mettre un turbo? À rien, parce que ça marche déjà largement assez. Voilà, c'est pour le kiff. Après, dans tous les cas, elle roulera plus sur la route, elle sera que pour le circuit. Ce sera vraiment mon petit bébé, ce sera le gros projet de la chaîne, un peu comme Villebrequin avec le multiplat. D'ailleurs, si elle est prête en même temps que le multiplat, je le dépose le multiplat là. Là, le multiplat, mon pote là. 400 chevaux dans une bécane, je le dépose. Du coup, la petite MT, dans tous les cas, restera pour tous les jours. Je l'amène sur piste, du coup, je le redis, je l'amène sur piste le 28. Ouais, je vais faire une petite ligne avec la MT pour le son, avec la MT et après avec la Yab. J'ai fait 400 km avec la MT. Le son, t'en pouvais plus. Je saignais les oreilles carrément. Je suis allé à Reims et tout, j'ai fait une grande balade avec plein de potes. Et laisse tomber. Je te demande pourquoi. Okay, on fait juste le son d'abord. Le son de la Yab est beaucoup plus doux pour faire des kilomètres, je pense que c'est beaucoup mieux. On va
va dire j'ai eu un bon prix parce que là comme vous voyez ça fume. Elle fume un peu la moto, elle perd un peu, elle mange un peu d'huile. Ah là apparemment ça serait les joints de queue de soupape qui sont morts. Mais dans tous les cas je refais tout le moteur donc je m'en fous un peu. Je l'ai acheté à un très bon prix. La peinture elle est quasiment neuve, elle a un an je crois. Voilà. Je vais faire un petit passage avec la MT et après avec la YAM. C'est vraiment un petit jouet, genre t'as toujours envie de t'amuser avec, c'est un petit jouet. On va passer au monstre, je fais moins le malin avec elle on va dire. Là c'est un gros bébé, il fait une tonne 4 le truc. 48 000 km. Voilà. Voilà, cette bécane, elle est folle. Hein, j'avais une petite figurine quand j'étais petit dans la chambre. Mais elle était pas de la même couleur. Moi, elle était... Attends, je sais pas si je vais la mettre. Elle était orange. Non, elle était grise. Grise et orange. Peut-être la faire pareil, on verra bien. Voilà. Bon, en tout cas, c'est un monstre. Genre, en mode, t'attendais des vitesses pas très légales sur route. Là, ça va, j'étais à 80. Donc ça, on a de la chance, on est sur une route fermée. Non, mais t'attends des vitesses. C'est pour ça que je vais même pas l'utiliser sur la route, en fait. Je ne vais même pas l'utiliser pour tous les jours parce que je sais très bien que le permis, sinon, il va sauter direct. T'es sur l'autoroute, en plus, tu vois, elle, quand tu vas vite, t'as le vent. Le vent, il est comme ça, Ton casque, il bouge dans tous les sens et tout. Celle-ci, tu te caches dans la bulle. La dernière fois, quand j'étais en Allemagne, t'es à 300, t'as l'impression que t'es à 150 avec elle, c'est un truc de ouf. Bon, elle est lourde quand même à l'arrêt. Une fois que c'est parti, c'est vraiment un vélo. Je pensais au début, franchement, je pensais que ça allait être vraiment compliqué à gérer et tout. En fait, non, c'est vraiment tranquille. Moi, ce que j'aime bien dans cette moto là, c'est deux prises d'air qui vont directement dans la boîte à air et en fait qui gavent la boîte à air. Donc, plus tu vas vite, en fait, plus la boîte à air elle est gavée. Donc, plus t'as des choux. Et du coup, ces aérations, je vais les bouger d'endroit. Ces aérations, du coup, je vais les mettre après côté échangeur pour que ça refroidisse l'échangeur. Parce que tout est vraiment caché en dessous. En dessous, il n'y a pas vraiment beaucoup de place. Il faudra trouver de la place. Et c'est que toutes les motos, on va dire, la moto, elle a 20 ans. Elle est 2000. Elle a 21 ans. Toutes les motos, elle a vécu, elle a été bricolée et tout. Il y a plein de petits trucs, des dominos dans le faisceau, tout ça. Je veux vraiment, c'est un truc qui va prendre longtemps. Et pour une fois, je vais faire un truc assez propre. À ma manière, quand même. Je vais tout faire moi-même, mais assez propre. Mettez-moi en commentaire laquelle c'est votre préférée. En sachant que cette moto vaut le quart de prix de cette moto. Franchement, si je devrais choisir, c'est demain on me dit on t'enlève une des deux. Genre, désolé, mais bye la MT. Le garçon, il fait 65 kilos. C'est Narvalo, il s'achète un Hayabusa. Et ça lui suffit pas, il faut qu'il lui rajoute 400 chevaux. Vraiment Narvalo ce gars-là. Imagine 65 kilos, 400 chevaux. Attends, ça va faire un rapport poids-puissance. Attends, la moto avec moi dessus, le plein et tout, elle va faire dans les 300 kilos pour 400 chevaux. Ça va faire un bon rapport pour puissance. Bon, du coup, on se retrouve sur une vue caméra. Je vais faire du motovlog tel un puriste du motovlog. Non. Bon, sur le chemin du retour, vraiment tranquille, à deux à l'heure. La chaîne recasse. Mais on va tous remercier Rémi. Il revient à la chaîne cassée. Je sais pas ce qu'il y a. Peut-être qu'il y a un problème. Peut-être qu'il y a trop de jeux ici. Je ne sais pas pourquoi elle a recassé. Elle a même pas recassé au niveau de l'attache rapide. Je sais plus où aller, elle a même pas cassé au niveau de la tâche que j'ai ressorti, sauf que là, cette fois-ci, ça a cassé le carter. Là, on voit là. J'ai trop les boules, putain, deux fois. Surtout que j'ai même pas sorti. Elle a même pas cassé au niveau de l'endroit où je l'ai ressorti, elle a recassé je ne sais pas où. Peut-être qu'il y a un problème, il y a un jeu quelque part ou j'en sais rien. Mais cette fois-ci, ça a cassé le carter moteur.
J'ai les boules. J'ai les boules. Je vais le monter autant. Ah, cool la même. Bon, du coup, on l'a rentré en poussant. Non, c'est un Pulse, la moto. Voilà. Le carter est cassé. En gros, maintenant, regarde. T'as tout le sélecteur qui tombe. Du coup, il faut que je change le carter inférieur complet. Encore le CBR, il casse. Ok, mais pas elle. Elle, elle a pas le droit de casser. Oui, elle était neuf. Ouais, mais dans tous les cas, je vais tout refaire et je vais regarder pourquoi ça casse. Dites-moi si vous avez des idées dans les commentaires de pourquoi la chaîne a cassé. Ça peut être parce que, je ne sais pas, peut-être parce qu'il y a eu du jeu là. Il y a un peu de jeu là, dans les amortisseurs intérieurs là. Je ne sais pas pourquoi. Deux fois de suite, elle casse. J'ai l'impression qu'elle se vrille ou tu vois qu'elle se met qu'à force, qu'en contrainte ou quoi. Et ces deux chaînes, cette chaîne là, elle était neuve. C'est des chaînes en 5.30, c'est de la chaîne pour les Yaouza. Bref, c'est bizarre. Moi je voulais vous montrer aussi, voilà, ça c'est la moto que j'avais dans ma chambre. Cette moto c'était la moto mythique, tu vois, c'était la moto dans les journaux. Première moto à faire le 300 qui mettrait là. Et donc c'est exactement la même, voilà. C'est quand même beau ça, hein. C'est quand même beau. Franchement j'aimerais bien faire exactement la même. Déjà là le gris déjà, j'ai plus qu'à faire le orange. Je vais la faire exactement pareil. J'espère que la vidéo vous a plu. Le DT va bientôt continuer, mais comme le DT, pareil, j'attends des pièces. J'ai des pièces qui sont toujours pas arrivées. Pas le bon outil, pas le bon tarot, toujours des petites galères comme ça. Mais voilà. Après, une fois que ça a terminé, on va s'amuser avec. On va essayer de l'amener sur piste, comme j'avais dit, ça peut être drôle. J'ai des silencieux qui sont pas arrivés. Là, il me manque des tarots pour faire le circuit d'huile, tout ça. Donc, je préfère pas filmer. Ça sert à rien, je vais filmer pour deux petites séquences, donc ça sert à rien. Je préfère filmer vraiment quand c'est tout bon. Peut-être même, on va commencer celle-ci avant que le DT soit prêt. Parce que celle-ci, on va retirer le moteur, je pense, ce week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, The Monkey Rider.fr. Lui c'est l'édition flamme mon pote. Ah putain, l'édition flamme, faut faire des flammes, on est obligé. Je vous mets une petite séquence là où elle fait des grosses flammes. Mmh.